Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Vous vous demandez très certainement où est-ce que je suis aujourd'hui. Ben, je suis en Île-de-France. Et donc c'est un peu le sujet de cette vidéo que nous allons traiter aujourd'hui. Et je vous invite à la regarder jusqu'à la fin. N'hésitez pas à inviter vos amis, et à la partager surtout. Tout en espérant que ça pourra leur plaire. Hey, coucou, salut à tous. Du coup, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais un peu vous parler de la vie en Île-de-France et un peu le sujet de cette vidéo. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, à la base, on parle beaucoup des quartiers, de la violence, des cités et tout ce qu'il y a. Vous pourrez remarquer justement que, voilà, derrière moi, il n'y a pas du tout de quartier, il n'y a pas de cité, il n'y a rien du tout. Et tout ça, c'est un peu pour vous dire que voilà, il y a des choix qui se font dans la vie. Et nous n'avons pas forcément pour obligation de pouvoir y rester dans ces quartiers et pouvoir développer l'équilibre, on va dire, économique qu'on peut essayer d'avoir là-bas. Et donc, pour avoir le choix, il suffit d'un peu d'inspiration comme ces endroits-là, remplis de nature, remplis de verdure, et qui nous permet justement de pouvoir voir les choses autrement. Alors bien sûr, cette vidéo n'est pas pour vous dire faites comme moi, mais ça nous fait un très grand bien justement de pouvoir être dans la nature et pouvoir voir autre chose que la cité. Moi-même, j'y ai grandi dans la cité et du coup, j'ai fait ce choix-là depuis l'adolescence de pouvoir un peu m'extérioriser de tout ça. Le but de la vidéo, c'est vraiment faire percevoir que dans l'Île-de-France, il n'y a pas que des cités. Et je vous invite justement à aller les découvrir et soyez justement le plus proche de la nature que possible et faites-vous plaisir surtout. Alors voilà, donc la vidéo c'est vraiment pour vous faire découvrir un petit peu de cette nature qui se trouve en Île-de-France. Voici mon ami, une
jolie libellule bleu turquoise. Est-ce qu'elle est pas magnifique? C'est certainement la puissance de l'eau. Voici là où elle prend toute sa vitesse. Après les chutes du Niagara, nous avons les chutes en Île-de-France. Alors écoutons. Et on va aller voir les chevaux. Coucou les chevaux. Bon, ils me voient, ils sont en train de partir. Ils m'aiment pas, je crois. On va aller faire un petit tour à côté des petits chevaux, donc des grands chevaux. Ils veulent sortir. Ils veulent à tout prix sortir. Coucou. Coucou le cheval. Thank you.
que le cheval baron et moi, nous avons une touche. On dirait qu'il m'aime plutôt bien. C'est bien, hein? Ah, en plus, il me suit. Ah ben ouais, d'accord. Il pense que je vais ouvrir une porte pour pouvoir les faire sortir. Malheureusement, ce n'est pas mon terrain. J'espère que vous avez pris un bon bol d'air frais et que cette vidéo-là vous a bien plu. Alors nous, de notre côté, on va se rentrer. Surtout, pas besoin de vous dire, activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas, mettez un petit like et partagez la vidéo. Allez, à très vite.